Voilà. Comme ça, je vais Bastille, puis après pont d'Austerlitz. Et s'il bouge, vous me dites. Pour l'instant, je le fais au jugé, hein. On verra bien. On verra bien. Ah, ok, super, merci Roscoe. Ah, lol, bah écoute, si jamais il y a un autre endroit où je peux te la livrer, tu me dis. Est-ce qu'il est dans mon dos, le sac, le petit lapinou? Salut, la goutte. Oh non, ils ont fermé là? Non, ils ont pas fermé, on peut passer? On peut passer comment là? C'est tout fermé ou? Ah non, c'est par là qu'on peut. Waouh! La galère. Ah bah ça va Madeleine, ça fera un petit détour. Je peux te rejoindre Madeleine si tu peux descendre 5 minutes. Ah là ça avance bien ici, mais par contre c'est tout en travaux. Ah oui, par contre on peut pas du tout passer par là quoi. Bon, c'est pas grave, je vais faire le détour. Je pourrais pas voir les MP, mais sinon tu me dis un endroit à peu près autour de Madeleine. Ah bah oui, forcément quand c'est fermé avec une grille, c'est qu'il faut pas y aller. C'est pas pratique. La mienne? Ah oui, c'est à cause du GPS, attends. Pastier. T'as vu patate douce? Bah attends, je vais commencer par ça sinon, vu que c'est sur le chemin. Enfin, sur le chemin, grosso merdo quoi, mais. Ouais, je vais commencer par ça vu que t'es là. Hop, j'ai changé l'itinéraire. Allez, en direction. Faut que je passe cette quête du coup. Salut patate douce. On va aller direction Madeleine du coup. Et après on me dirigera une fois que je serai vers Madeleine. Ouais, le compteur de vitesse, je l'ai même pas activé là. Aujourd'hui, j'ai eu la méga flemme là. Pour essayer, mais je sais pas pourquoi ça marche pas, ça me saoule. C'est vrai que vous pourrez les activer. Salut Biarritz, bonheur.
Je dis, oui, je parlais du compteur de vitesse, je dis s'il est là, autant que je désactive celui qui est sur l'interface. Il est en double, ça sert à rien. Il faut que j'appuie pour aller à 30. Il faut que je force. Oh, incroyable. Mais si je force pas, le vélo va à 25. En fait, je sais que c'est pété. Hein. En gros, la cam me dit, mais je sais pas précisément au niveau. Ok. Ah bah c'est bon, c'est du ciment. Super. Ah, c'est là, ils ont livré, ils ont fermé tout le parc, ils ont tout bétonné. What the fuck? Faudrait que j'aille voir ça sur le retour. Exactement, l'assistance s'arrête. Donc tu peux forcer autant que tu veux, tu pourras monter à la vitesse que tu veux. Par contre, effectivement, l'assistance va se couper à 25. Par exemple, là, tu vois, je vais accélérer pour avoir les feux au vert, parce qu'il y a une onde verte ici. C'est-à-dire que si tu roules à 30, c'est bon. Si tu le roules en dessous de 30, tu as tous les feux rouges. Sur la piste et que la vitesse est limitée à 30 ici, normalement personne ne devrait me dépasser. T'as vu Coca? Madeleine, il faudrait peut-être que je prenne Rivoli à un moment donné, c'est vrai que j'ai fait un gros détour là. Salut Luc. Ah oui, je connais Langoutte. Très bien. Ça y est, une recommandation de Denis, je crois. Hein, qui m'avait recommandé ce resto. Très très bon. Alors attention à ne pas se faire couper la route ici. Je sais pas pourquoi je le sens. Non, c'est bon.
tout va bien, ok, nickel. Bon alors, il est où notre ami? Où est-il? Est-ce que je vais livrer le premier lapin? Est-ce qu'on va le rejoindre direct ou est-ce que je vais livrer le premier lapin en proms? Le premier lapin, il est à Madeleine. Bon, pas de réponse. Je me tape. Ivry, bon, je vais aller à Madeleine. Ça c'est fait et après on ira direction Ivry. De toute façon Ivry, Madeleine, c'est pas si loin dans le sens nord-sud. Je vais le mettre sur le GPS où il m'avait dit bla bla bla. Merde, je peux pas copier le message. Merde. Rue Pasquier, rue Chaveau. Rue Pasquier, rue Chaveau. Rue Pasquier, rue Chaveau. Non mais rue Pasquier, il arrive à me le mettre ou pas? Oh le débile. Le Pasquier, je pense que c'est rue Pasquier ici. Non, rue de l'Arcade. Ça c'est peut-être rue Pasquier ça. Ça sent bon ça. Voilà, rue Pasquier, rue Chaveau, elle est où? Rue Chaveau. Rue Malzerbe. Artus, Corday, Haussmann, Le Pasquier, ça c'est Maubeuge, ah non c'est Pépinière, Chirocher, what the fuck, mais il est où ta... Elle est là la rue alors, rue... Ah Chaveau, ok c'est là, et let's go, itinéraire, démarrer, tac. On va mettre ça là et comme ça on est là. Voilà, avec le GPS et on est bon. C'est bon. Ils ont mis les feux orange clignotants là. Ok. Original. Qu'est-ce que je déteste les gens qui font comme ça, il y a une marche avant, marche arrière là. Oh la fatigue. Merci en tout cas pour l'info Cam.
bizarre. Bizarre. C'est peut-être l'ongle vert qu'ils sont en train de revoir. On va voir. Parce que normalement, à partir d'ici, là, très précisément, il y a une onde verte. C'est-à-dire que tous les feux, là, vont passer au vert au moment où j'arrive dessus. Voilà, normalement, on devrait avoir tous les feux au vert, là. Oh, les piétons qui font du pressing, là. Arrêtez, s'il vous plaît. Ouais, entre les piétons qui forcent, les piétons qui veulent pas peur, les gens qui s'arrêtent pas pour les piétons, un enfer. Un enfer. Genre, après, respectez les règles, respectez-vous les uns les autres. On vivrait dans un meilleur monde, hein, parce que là, complexe. Hein. En plus de ça, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de mal avec. Voilà, les piétons qui vont sans regarder, la fatigue. Et en plus, généralement, ils y vont quand tu arrives, hein. Pas quand il n'y a personne, sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Là, je vais arriver sur les feux orange. Ah, si j'accélère un peu, je peux peut-être les avoir. Attention. Non, c'est bon, je suis encore dans l'onde verte. Ah, là, c'est limite. C'est limite. Pas possible. Quand tu loupes un feu ici, tu les as tous au rouge, donc ça sert à rien de forcer. Salut, j'ai mon bec. Bah, je vais rejoindre. Putain, merde, j'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu son pseudo? Comme le titre du stream l'indique, un autre streamer, mais je me rappelle. Pourquoi je me rappelle plus son pseudo? J'ai un blackout horrible. La honte. Faut limite que j'aille voir le nom de mon stream. Putain, c'est terrible. Pourquoi j'ai. Pourquoi j'ai pas imprimé Terry Barenzel? Bah oui, of course, mais. Oui, donc je vais voir Terry Barenstein, il y a un blackout. Eh, mais ça serait pas encore nos deux guignols là? Qui utilisent l'aménagement cyclable? Lol. Terrible. Mais d'ailleurs, il est où Terry là, s'il y en a qui sont sur son stream? Là, je
Toujours ivre. Ok, parfait, merci Rosco. Bon bah je vais faire ma petite livraison tranquillou là. Et après on part direction Ivry, vu qu'il bouge pas, ça va être pratique de le retrouver. Bon, moi pareil, ça m'a coupé ça. Là, j'étais concentré à brancher mon truc. Je sais pas comment, le poteau ne m'a pas fait tomber. Mais je me suis mangé le poteau. Lol. Quelle horreur. Heureusement que c'est des poteaux flexibles. Le vélo là. La ken. Ah ouais, c'est des poteaux mous. Donc le vélo, il a juste fait boum. Et c'est bon. Moi, j'ai même pas de senti dans les jambes. Donc ça va, j'ai eu de la chance. Vraiment beaucoup de chance. Comme quoi, la moindre seconde d'inattention, hein, même sur un truc qui est dégagé comme ça, c'est fatal. Oh la vache, la piste cyclable, elle est devenue... dis donc, la taille de la circule, là. Incroyable. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, là, que la taille de la map. C'est quoi le problème? Dites-moi, quel est le problème? Vous me recevez ou pas? Je suis toujours en live moi. Bon. Ah ok. C'est assez impressionnant là, la vue avec plus aucun véhicule. On leur fait toute cette place aux automobilistes, ils ne l'utilisent pas. Toujours la pure mauvaise foi, hein, évidemment. Toujours de la mauvaise foi complète. Mais bon. Alors attendez, là c'est à gauche qu'il faut que j'aille, à un moment donné il faut que je coupe la circulation. Wow. Ah ouais, non mais comme je trollais sur Rivoli, tu peux lui faire dire ce que tu veux, hein, la rue, tu peux venir entre deux feux et puis hop, il n'y a plus personne, hein. C'est magique. Attends, donc là ça va être à gauche. Très bien. Ah bah je suis presque arrivé, Je sais pas qui je livrais, qui était sur le stream, mais je suis là. Hein. Je ne sais pas si tu me rejoins. Je suis là. Hein. Arrivé à l'angle de la rue. Je suis là. Hein. Ah, tu es là? Ah, oh, je te vois. Incroyable.
Salut. Comment ça va? Ah, super. Ben, merci pour la commande. Livraison en personne sur Madeleine. Hop. C'est le seul jour où il n'y a personne chez moi en plus. Attends, alors du coup, toi c'est. Guillaume. Donc c'est pas tant. C'est. C'est ça. Hop, voilà. Tu veux, tant que je suis là, d'autres petits lapins que tu n'avais pas commandé? Pas forcément, t'avais d'autres couleurs ou d'autres trucs que tu veux? Non, t'es sûr? Ok. Bon, bah merci encore pour le soutien via les petits bouchons. Et puis j'espère qu'ils iront bien sur ton vélo, que ça te plaira, tout ça. Oui. Si tu vas me faire des retours si jamais si y a des trucs qui vont pas. Voilà, voilà. Merci. Bon, on continue la livraison. Passe une excellente journée. Bonne journée. Ciao. Bon, c'est parti pour rejoindre Terry Barnston. Donc là, je compte sur vous. C'est parti. Alors maintenant, vous me dites où est Terry, ou bien sinon je vais essayer de le... La map, elle est morte ou pas? Je vais la reload, la map. Je reload la map. Ah merde. Ouais, bah là normalement la map est à jour, donc attendez, hop, je vais reforcer la map, sinon je vais faire mon autre livraison dans le 11e, hein, s'il est toujours pas là. Ah. Bah attendez, je vais mettre l'autre adresse, comme ça je vais pas rouler pour rien. Mettons l'autre adresse. Tac. Je crois que c'est pas loin d'ici en plus. Si toutes les livraisons peuvent se passer comme ça, c'est parfait. Tac. Alors, prochaine livraison, je crois que c'est dans le 11e, donc il faut que je fasse un petit demi-tour. Tac. Exact. Alors on va aller voir Terry Barnston. Terry Barnston, c'est un streamer américain qui va forcément stream à New York. Il a plusieurs types de concepts. En fait, il roule comme un Américain, c'est-à-dire que le code de la route, c'est plutôt une option, on va dire. Donc il a sa manière très particulière de conduire. On verra comment il conduit une fois qu'il est à Paris. Moi, je vais essayer de passer par là. Et ce que j'aime bien, c'était un des précurseurs à faire du stream à vélo. Et il a aussi un concept où il suit d'autres cyclistes, un peu au random. Donc en tout cas, c'est très chill ce qu'il fait, toujours bonne ambiance. Donc, c'est pour ça que j'aime... Ouais, voilà, c'est plutôt chill, donc j'aime bien. J'aime bien. Bon, la map est morte, effectivement. Elle ne se recharge pas. Pourtant, j'ai pris un CDN sur le site. Ça me saoule. Alors là, le truc est pourri. Hein. Ils ont mis ça. Bon, après, tu me diras, il y a un feu piéton, mais bon, on voit que dalle sur les véhicules qui arrivent là. Ouais, je comprends pas. J'ai pris un CDN sur mon site. J'ai nettoyé toute la base de données et tout. Il continue à cracher ce con-là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, le WordPress merde, je commence à en avoir ras le cul sur WordPress. Le truc, c'est une usine à gaz, il marche même plus. Oh, c'est tout nouveau là, les aménagements ici. Ouais, c'est chiant, c'est plus. Sur le côté latéral des bus, je trouve vraiment ça inutile, mais enfin bref. Merci beaucoup Aru pour le sub. Ah, ici c'est cool, hein, le nouvel aménagement cyclable, il fait plaisir là.
des petits tournants à gauche là, regardez, c'est tout mignon. Bon, par contre, j'aimerais bien que ça, que la map rechange, ça se passe quoi? Là, elle veut plus rechanger du tout la map là. Ça y est, le site est mort. Ah bah ça, c'est Paris, hein, c'est le charme de Paris. Ah non, non, mais c'est pas grave, hein. Aucun problème. De toute façon, c'est une aide bénévole, donc à partir de ce moment-là, moi, je n'exige rien de vous. Hein. C'est si vous voulez le faire, si ça vous plaît, si ça vous intéresse. J'ai pas d'autre contrepartie que bah, vous remercier au générique et que vous laissez profiter. Ah bah tiens, on va voir cette nouvelle rue. Regardez, une nouvelle rue que pour les vélos ici. Interdit, sauf vélo. Enfin, là, c'est bizarre, là. Obligatoire sauf vélo. C'est un peu une contradiction. Ils auraient dû inverser les deux panneaux, mais bon. Vous avez l'idée. Ouais, donc ah voilà, là ils l'ont bien fait avec le panneau obligatoire cycle, ce qui est assez bizarre, mais je peux comprendre ce choix, et le panneau interdit sauf cycle. J'essaye de recharger la map parce que je comprends pas. J'ai 53, oh, c'est la première fois que j'ai cette erreur. Back and fit. What the fuck? Ah ouais. Bon, on va passer par là et à droite. Donc là, il n'y a plus de feu. On est lâché un petit peu dans la circulation. Ok. C'est quoi une erreur 503? Est-ce que quelqu'un peut me donner la def de l'erreur 503? Je ne me rappelle plus de tête. Je sais que c'est un problème serveur. Mais pourquoi en fait? C'est le serveur qui est down, c'est... Première fois que j'ai cette erreur. Le serveur est dans le dispo. Ok, super. Bah, OVH qui fait une maintenance quand même, ça, c'est chaud quoi, de mettre des sites down avec une maintenance moyenne quoi. Non, moi je pariais pour la recharge, pour la surcharge des roquettes. Salut Raphaël, comment ça va? Justement, Raphaël, j'ai une 503, tu veux pas me dépanner? Y a pas moyen d'avoir un petit coup de main sur une 503 là? Parce que le serveur il répond plus. Une erreur serveur 503. Quelle blague là, c'est pour ça que la map elle marche plus. Bon, je sais pas si ça va se rétablir. Ouais, internal erreur 503. Quelle galère.
Ah, super. Et ben voilà, on est en direct d'un bug serveur OVH. Super, merci OVH, hein, qui ne sponsorise pas ce stream évidemment. Donc là, c'est assez cool ici de voir les anciens boulevards tels qu'ils étaient avant. Donc c'est-à-dire sans une avance là, stationnement, une grande voie de circulation. Ok, on devrait être de retour normalement. Toujours pas. Ah super, merci Lucas. Donc ouais, je disais voilà, là des beaux boulevards, bien agréables, bien protégés tout le long. Il y a des abaissements là. On dirait que c'est des abaissements pour permettre aux services de secours d'accéder quand même. Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que je comprends pas trop là, l'abaissement du trottoir. Enfin, l'abaissement de l'aménagement cyclable. Bizarre. Bon, je vais recharger de temps en temps. On verra si le serveur répond. Et Terry qui est offline. Ça y est, le serveur est de retour. Incroyable. Voilà. C'est de retour là le live? La map est heureux. Est-ce que moi je suis de retour? Est-ce que vous m'entendez? Ah parfait, voilà. Parfait. Donc ouais, j'ai vu Osman qui disait ça. Bon, il est tout le temps un petit peu en train de chouiner. Hein. Mais à un moment, un jour, il va finir par se mettre au vélo, il va se rendre compte, je pense. Je pense. Il finira peut-être par se rendre compte. Que la moto c'était pas vraiment le bon choix quoi. Énorme les chiens. Normal. C'est la promenade. Quel enfer. Putain, c'est stylé les séparateurs qu'ils ont mis. Ah, j'aime bien. Et on est bon là.
et à rehausser la piste cyclable et à mettre des écarteurs sur les bords. Bon, il y a encore des petites choses à améliorer, mais on commence à avoir quelque chose de pas mal. Et des plots au milieu de, des angles. Bref, il y a encore quelques trucs à améliorer, mais bon. Mais bon, on va pas se plaindre. J'aime plus je reste, plus je vois de choses à améliorer. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on soit si peu? Il y a une raison à ça ou je sais pas, c'est bizarre. Le dernier coup que j'avais lancé, on était presque 150. Là, on est plus que 70, je sais pas. Peut-être le sujet qui intéresse pas, tu me diras. Ah, le livreur. Il ne pouvait pas se mettre dans la continuité, non, il faut qu'il casse les couilles. Ah oui, je comprends. Il y a des sujets politiques plus intéressants, dirons-nous. Tout à l'heure il est devant moi, hein. C'est le lièvre et la tortue. Moi sur Twitter, les gens découvrent que je suis de gauche, ça me fait beaucoup rire. Bon, en tout cas, pas d'extrême droite. Tu me diras, par opposition, il reste plus grand chose. Hein, si tu veux pas d'extrême droite, vu que la droite s'est ralliée à l'extrême droite, il reste vraiment plus grand chose contre l'extrême droite. Donc bon. Lol. Ça en devient une blague. Qu'est-ce que c'est fait? Pourquoi elle freine en plein milieu là? Ok. Bah oui, tant mieux qu'il y ait des systèmes de vote par procuration pour avoir le maximum de votes pour qu'on se retrouve avec une assemblée de droite, enfin, d'extrême droite plutôt. Ça serait, je ne sais pas, malheureusement, essaie de décomposer ton lien en plusieurs parties. Je vais arriver à la livraison. Je vais essayer de livrer. Ah, donc là ça devrait être à droite normalement. Là, il faut que j'aille à droite. Parfait, je vais utiliser le feu. Et je vais m'arrêter deux secondes. Voilà. Bougez pas. Et je vais passer un coup de fil du coup pour essayer de voir
On va essayer d'avoir le code porte. Ça veut dire que je vais devoir couper le live pendant quelques secondes. C'est bien ça, il faut que je coupe le live pendant quelques secondes. Pour avoir le... les infos. Et après on va essayer de rejoindre Terry Barenston, mais j'y crois de moins en moins. Hein. Bon, je vous envoie sur son stream le temps de... Allez, à toutes. Malheureusement, nous avons à faire un échec parce que le numéro qui est fourni n'est pas le bon. Donc, j'ai même pas réussi à joindre la personne. Il faudra que je lui dépose dans la boîte aux lettres. Un peu déçu. Enfin, dépose dans la boîte aux lettres. On se comprend, il va falloir le faire livrer par la poste, quoi. Alors que je suis là, pile poil face à la porte, mais que je ne peux pas le laisser. Tristitude. Bon. Eh bien, alors, attends, il en est où Terry du coup? Sinon, je me rentrais en fait. Lol. Vous avez des news de Terry? Non, mais là je... Ah, il est toujours en BRB? Est-ce qu'il répond dans le chat ou même pas? Ah merde. Ça c'est chiant ça. Ça c'est très chiant. Bon bah sinon on va pas très loin, je vous montrer un petit truc, une transformation d'une rue. Et puis après je vais me rentrer tranquille hein, s'il n'est pas de retour. Dommage. Dommage, dommage. À chaque fois que j'y crois qu'il y a une personne qui ouvre la porte, mais pas du tout. Hop. Ouais, j'attends encore une minute. Non. Ouais. Let's go. On va aller voir un petit endroit que je vais vous présenter. Vous allez voir, ça va être sympa. J'hésite à en faire un sujet parce que justement... Ah, d'accord. Oui, donc j'ai eu la chance d'être à l'inauguration du nouvel aménagement. Fois, madame la maire de Paris, Hidalgo, ce fut un moment solennel. Ça pour les travaux. Oui. Ah, super. Parfait. Donc c'est ici là, ils ont commencé à virer les barrières. Ça fait tout un graffu parce qu'ils ont viré les barrières. Faut que je regarde ce qu'il y avait avant là. Je crois qu'il y avait, peut-être un truc de boule, non? Faut que je vérifie ce qu'il y avait ici. Bah t'as tout en fait, Lucas. Hein. T'as toutes les infos. Parce que justement c'était ici que j'avais été invité. L'inauguration de cette rue. Cette rue maintenant est réservée...
aux piétons avec circulation interdite sauf desserte locale. Donc en gros, si t'es pas habitant, t'as pas le droit d'aller là. Mais on me recevait ou pas? Et donc aujourd'hui ici, c'est hyper calme. Tout ça, c'est tout neuf là. Ça vient d'être réalisé. Il y a des nouvelles fontaines qui ont été installées. Et tout ça là, bah, ça fait partie en fait d'un projet super bloc. Vous voyez des nouveaux arbres qui ont été plantés à la place du stationnement. Il y a énormément de stationnements qui ont été supprimés. Partout. Quasiment toutes les places de stationnement ont été supprimées. Ici également. Tout ça, le stationnement a été supprimé, qui a fait place à des arbres, de la végétation. Là à gauche, il y a une rue aussi qui a été mise en place. Ah merde, c'est pas là. C'est marrant, ça fait un petit effet pavé là, j'aime beaucoup, une petite délimitation d'un petit quartier qui est créé. Là pareil, c'est beaucoup plus calme. Là la rue elle était fermée à la circulation, comme je disais, parce qu'elle est face à une école. 144 tour des Bastels, il est de retourner en appartement pour le moment. Ah ok. Tout ça là c'est fermé à la circulation. En fait, c'est tout le quartier qui a été refait. Et derrière, là, pareil, ils ont remis de la végétation à la place du stationnement. C'est assez impressionnant comme transformation. Et voilà, là aussi. Bon, là, il n'y a pas encore d'arbres, mais peut-être qu'ils vont planter des arbres ici. Vous avez vu tout le stationnement qui était supprimé? C'est hallucinant. Hein, en fait, c'est pas si hallucinant. Ça doit représenter quoi? Une cinquantaine de places? Centaine de places? Mais ça fait de la place à d'autres choses, la végétation. Et je vais vous montrer aussi sur la rue comment sont marquées maintenant les places. C'est assez marrant. Elles sont quasiment invisibles, alors je ne sais pas si on les voit là. Non, je vais descendre pour essayer d'en voir. Ah voilà, elles sont là. Vous voyez, ici, là. C'est ça les nouvelles places. Ça c'est quoi? Voilà. Ici vous avez le droit de... C'est stationnement interdit, sauf service et nettoiement. Donc ça ressemble à ça les places, qui sont réservées pour les véhicules de service. Et il y a d'autres places, comme ici, voilà, zone de livraison, ZL, au sol, avec des clous, ZL, zone de livraison. Donc ici, il est autorisé de s'arrêter pour faire de la livraison. Mais les places ne sont plus marquées au sol par la peinture. C'est des clous, comme à l'ancienne. Et je trouve ça vraiment très, très sympa que ça se fonde dans le décor, comme ça, les stationnements. Vas-y, surtout avant, en fait, si vous regardez par rapport aux images d'archives, avant il y avait des poteaux partout là en alignement, le trottoir était beaucoup plus fin, il n'y avait pas la même hauteur sur la chaussée. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment la sensation en tant que piéton cycliste, bah, comme on voit les piétons là-bas, de pouvoir traverser, marcher plus aisément sur la chaussée. Et c'est aussi parce qu'il y a moins de véhicules maintenant qui traversent cet endroit, étant donné que la circulation est interdite ici, sauf pour la livraison, comme monsieur.
Donc en fait, quand tu travailles, quand tu as besoin de venir livrer, quand tu as besoin d'aller chercher quelqu'un ou autre, ou que sais-je, tu peux venir et te stationner là. Et puis qu'est-ce que c'est calme? Voilà, c'était la petite découverte. Et donc voilà, j'avais été à cette présentation de rue avec, comme je disais, Anne Hidalgo, le maire du 11e, qui m'avait invité. Et c'était l'occasion de les croiser, d'échanger avec eux pour les choses qui plaisent moins, hein, forcément, parce que je n'ai pas toujours d'accord avec les idées des politiques. Hein. C'est aussi important de trouver quand ils font des choses moins bien pour pouvoir toujours avoir un dialogue sain. Sinon, ça ne sert à rien en fait d'être toujours dans l'échage de bottes et de dire que les choses sont bien. Ça ne fait pas avancer. Comme par exemple sur Ledru-Rollin, où j'ai retaclé le maire du 11e parce qu'il n'avait pas fait évoluer Ledru-Rollin alors qu'il a réussi très bien à faire ce type d'aménagement ici. Là. C'est complètement oui, ici c'est pour moi ici ce type d'aménagement là, ça fait partie de l'élite, c'est les meilleurs aménagements qu'il y a à Paris d'ici, alors que le Ledru-Rollin ça doit être un truc catastrophique qui n'a toujours pas évolué depuis des années. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je rentre tranquillou ou est-ce que je vais voir Terry? C'est vous qui décidez là. Si je veux voir Terry, ça veut dire qu'il faut que je trace dans le sud. Et encore, c'est même pas sûr. Ah oui, mais encore dans son appart, c'est chiant quoi. Ouais, bah sinon je le tente demain, hein, Terry. Parce que là, si aujourd'hui il est dans son appart, ça va être chaud. Le temps d'aller le rejoindre, ça aura pas rechargé sa batterie, quoi. Terry Berenstain, Raphaël. Je me tâte. Surtout que j'ai rien à faire dans le 13e là. Aller faire un aller-retour, j'ai un peu la flemme. Hein. Je me tâte là. Vous savez s'il va bouger de son appart ou pas? Sans être relou. Hein. Parce que pas la flemme de bouger. Il n'a pas de batterie externe en plus, le Boug. Toujours arrivé. Ouais. Bon, allez, on va se mettre en route. Vous savez quoi? Et dans le pire des cas, on verra bien. Hein, on va faire comme ça. Pour aller à Ivry, du coup, il me faut que je retourne sur Répu. On va faire Répu, on va redescendre, on va traverser la Seine. Et on va voir. Allez, on se motive, on va faire un peu de vélo. De toute façon, j'ai full batterie, donc c'est bon. Salut Yva, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau là? Attends, c'est plutôt par là où il faut que je tourne à un moment donné là.
Alors, République. Bon, on fait l'astuce, on va passer par la piste imaginaire de République qui est là en fait. Voilà, la piste cyclable de République. Bah là, la vidéo sortira avant pour La Rochelle, elle va sortir cette semaine. Je vais... En fait, au début, j'ai eu plusieurs approches. J'ai pris beaucoup de temps sur la réalisation de la vidéo pour La Rochelle. Parce que dans un premier temps, je voulais m'intéresser à l'accident lui-même, savoir comment il est apparu, etc. J'ai eu suffisamment d'informations pour me dire que c'était pas utile d'aller plus loin en fait. Parce que j'ai réussi à trouver finalement l'adresse entre guillemets de la personne qui avait le véhicule, me rendre compte que cette personne n'habitait pas très loin des lieux de l'accident. De voir le motif du déplacement, plein de choses en fait qui n'étaient pas forcément utiles pour faire ce sujet, mais moi ça m'a permis d'apprendre plein de choses, suffisamment finalement pour me dire que ce n'était pas des pistes sur lesquelles c'était utile d'aller, autant aller sur d'autres pistes plus intéressantes et de laisser finalement la police aller sur ce sujet-là, même s'ils finiront par avoir ces informations, j'espère pour eux. Oui, ça je sais pourquoi elle roulait en face en fait, enfin je sais. C'est de la pure interprétation. Je pense... Ah d'ailleurs, il faudra que j'en parle dans le sujet... Enfin bref. Je pense qu'elle a eu un problème au niveau de l'accélérateur sur l'accès de l'intersection. En fait, elle est arrivée dans l'intersection, elle a dû paniquer, elle a accéléré, elle a percuté le véhicule qui est en face et elle a continué comme ça, entraînée sur les véhicules qui sont tous sur le bord. Donc elle a arraché tous les véhicules jusqu'à voir finalement les enfants qui arrivaient en face, donner un coup de volant, partir sur l'autre côté de la circulation, éclater les autres véhicules qui sont sur l'autre côté de la chaussée pour au final faire demi-tour. Donc voilà un petit peu le truc, c'est-à-dire que la personne a complètement paniqué et ne s'est pas du tout arrêtée. Je vois que ça. Ah. En fait, ça a commencé où le véhicule, enfin la conductrice est arrivée, a percuté des véhicules qui étaient en face d'elle, sur le côté gauche, au niveau du virage. En gros, elle a foiré son virage, elle a tapé le véhicule, et elle a paniqué, et elle a continué à accélérer en frottant les véhicules qui étaient à gauche en fait. Et quand elle a vu les cyclistes qui étaient en face, elle a tourné. Et elle allait percuter les autres véhicules qui étaient sur l'autre côté de la chaussée, mais sans ralentir. Oh merde, il y a un accident là. Bon, premier vu, ça va. Rien de grave. Oui, en fait, enfin, non, les véhicules qui sont impliqués, ils seront à l'arrêt. Il doit y avoir peut-être 5 véhicules à l'arrêt qui ont été percutés avec des rétro pétés, avec des flandes pétées, etc. Quand tu vois la gueule de la voiture, elle a tapé des deux côtés. Mais ça, j'en parlerai un petit peu dans le sujet, mais c'est peut-être pas utile d'aller plus loin, quoi. Exactement, Lucan. Ouais. Stationnement gauche et droite. D'abord gauche. Une fois qu'elle arrive face au cycliste, elle a fait un autre virage droite. Mais en fait, elle n'a pas freiné. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'elle a d'abord tapé à gauche, continué à aller à sa vitesse, puis donner un coup de volant et aller à droite. Trop bizarre. Pourquoi elle n'a pas freiné? Je ne sais pas. Je pense que c'est elle a paniqué. Hein. Je vois que ça. Je pense qu'elle a paniqué de fou. Elle s'est trompée de pédale, c'est juste ce qui arrive. Pour les personnes qui ont pu très bien beaucoup de beaucoup. En tout cas, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit
très intéressant dans le sens où je ne veux pas m'intéresser sur ce qui est macabre, entre guillemets. Donc je me suis plus intéressé sur mon domaine d'expertise, qui est effectivement l'aménagement. Pourquoi l'aménagement n'a pas été choisi de cette manière-là? Donner des pistes en ce sens, donner des solutions, et aussi réfléchir aux personnes, donner des pistes, des réflexions, expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est plutôt là-dessus que je suis allé avec la vidéo, plutôt que m'intéresser à l'accident lui-même. J'espère que vous apprécierez cette approche. Et les éléments que j'ai trouvés pour le présenter dans la vidéo, parce que je les ai quand même pas bien taclés La Rochelle. Oui, complètement, Lucan, mais ça reste une avenue. Et par contre, si tu la mets en sens unique, il faut. J'en parle dans le sujet, mais il faut vraiment beaucoup changer le plan local d'urbanisme. C'est pas si simple que ça. C'est un gros choix politique. C'est possible, hein, mais bon. Il y a un double sens de circulation ici maintenant. Ou c'est toujours un peu... Non, c'est pure interprétation ça. Si je vais par là, je vais pas déboucher sur Ivry là, c'est pas bon. Ok Lucas, bon, écoute, je finis le trajet et puis je ferai le retour. De toute manière, ça me permettra de voir de la piste, la nouvelle piste qui est livrée, donc ça sera déjà ça. Et d'enfer aussi. Je passerai par d'enfer pour le retour. Donc ça me permettra au moins de voir ça, vu que j'y vais pas souvent dans le sud de Paris. Ah ça y est, j'ai l'allergie. Quel enfer. Ouais, je vais peut-être partir à droite là, dès que possible.
Oh là là, c'est tout tout clan là. Ah non, c'est Turtle. C'est les taxis parisiens. Les nouveaux Paris. Ah, la Bidire est là. Ok. Chaque fois que j'oublie que la Bidire est de ce côté-là, circulation, c'est... Ah ouais, lui, c'est pas la première fois qu'il se fait rentrer sur le côté, là. Salé du BNF. Ouais, ça sera à gauche là. Bon, je vais aller tout droit, mais vous me dites. Il va à gauche alors. Je crois que je confonds. Oh, c'est bon par là, nickel. Bah oui, potentiellement, je vais aller à gauche après sur les maréchaux. C'est ça, hein, c'est à gauche. Oui, ça, ça... Je suis en train de convaincre tout seul. C'est Big Gear en centre-ville, mais je voudrais bien savoir pourquoi je dis de la mettre à gauche. Rue vélo. Waouh. Ah bah je la connaissais pas celle-là. Une nouvelle découverte, rue vélo. Oui, là c'est vraiment D'ailleurs, la piste cyclable s'est fait victimiser jour 1. Donc c'est tout à fait normal finalement. Je ne suis pas surpris qu'ils aient mis une rue vélo ici, étant donné que le sens de circulation de cette rue change beaucoup. Comme là, par exemple, on arrive, hop, ça change, ça devient un sens interdit pour les véhicules motorisés. Donc ça a vraiment tout son sens là, cette rue. La manière dont ils l'ont aménagé. Non, 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 là c'est loin d'être fini. Hein. On voit, il n'y a pas de marquage au niveau des intersections. Normalement, au niveau des intersections, il y a le diamant qui est à cet endroit-là avec les cycles sur la droite et la gauche. Là, ils ne l'ont pas fait. Ça vient d'être fait, hein, là, le marquage. Salut Guiche, comment ça va? Je vais essayer d'aller raid. Bah, tu as vu le titre du stream, Terry. Enfin, je vais pas le raid, je vais le snipe. Essayez. Blanc se met en mission. Ah, c'est marrant là, ils ont refait la place. Sympa. Ouais, donc là je vais essayer de le voir. On va voir si j'arrive à le choper. C'est pas évident. Complexe hein, le CD de passage là. Complexe. Ah, le clignotant, putain, mais le avant quoi. La fatigue.
Oh là là. Le marquage est en mode what the fuck là. On voit qu'ils sont passés par pas mal d'essais. Hein. Ils n'étaient pas tout de suite d'accord. Donc là c'est bien, il y a enfin un double sens cyclable parce qu'à un moment donné c'était simplement en sens unique. Donc là c'est bon, vélo rue. Ça y est, c'est en double sens cyclable. Ah, et on se retrouve avec des situations originales comme ce bus là, qu'est-ce qu'il fait là? Comment il est arrivé dans ce sens là? Il ne semble pas que ce soit en double sens de circulation pour les véhicules motorisés. Comment il est arrivé? À contre-sens de la circulation là-dedans? Je sais pas, bref. Fort, il est très très fort. Parce que là c'est interdit sauf vélo. Et là c'est sens interdit, on est d'accord. Hein. Oui, et puis au vu du sens de stationnement, c'est sens interdit. Je ne sais pas comment il a fait. Là, la taille de la vélorue est immense. Vu que normalement il n'y a aucun véhicule qui doit arriver derrière moi, étant donné que là je suis dans un sens interdit. Et les véhicules respectent, hein. Ils tournent avant. Est-ce qu'ils respectent tous? Je sais pas. Ouais, ils tournent, ils respectent. Incroyable. Donc, ils ont vraiment coupé le trafic là, juste en changeant le sens de la rue. C'est incroyable. Ça marche bien. Allo XMI, comment ça va? X. Putain, je vais y arriver. Oui, XMTX, je sais pas ce que j'ai dit. Ah, mais ça, je pense que c'est dans un second temps. Hein. Ils font toujours ça. Ils font toujours premier temps réaffection de la chaussée. Et second temps, ils refont quelques années plus tard la végétation. On peut le voir d'ailleurs sur les quais de Seine, où dans un premier temps, ils ont réduit la circulation et ensuite ils ont mis de la végétation. Donc ça, je peux comprendre. Ça met un certain temps avant de se modifier. Mettre de la peinture et changer le sens de circulation, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple que d'avoir du budget pour refaire un décaissage de la chaussée et ensuite y planter de la végétation. Ça peut coûter rapidement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors que de la peinture, on est plutôt sur quelques milliers d'euros. Voire centaines de milliers d'euros quand tu as besoin de tout refaire sur plusieurs centaines de mètres. Donc c'est aussi ça à prendre en compte, le budget alloué à ces travaux. Même si j'ai l'impression que la mairie de Paris a quand même des budgets assez limités. Hein. C'est assez hallucinant. Au vu des travaux qu'ils font, c'est incroyable quoi. Jamais tu verras ça dans une autre ville de France ou même du monde. C'est juste hallucinant ce qu'ils font. Ah, c'est très courageux de le faire maintenant. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une Ferrari. D'accord. Donc là, c'est bon si je continue tout droit. Non, Lucan, si tu regardes sur le long terme, en fait, le fait d'avoir choisi aujourd'hui d'avoir ces positions très engagées politiquement, c'est sur le moyen terme et long terme, c'est des changements qu'on n'aura plus à faire. Parce qu'on aura des problèmes de toute manière avec le réchauffement climatique et le fait de planter. Déjà, stationnement, déjà, moi j'ai d'autres qualités parce que d'avoir fait aujourd'hui, parce que les gens ont déjà pris.
Ah, les ralentisseurs, c'est un moment dur à passer pour une Ferrari. Hein. On voit, c'est discret. C'est une électrique ou quoi? On l'entend pas du tout. C'est une Ferrari électrique? J'entends pas le moteur. Toujours chez lui, Terry. Puis là, je vais pas tarder à arriver. Hein. Ah oui, exact. Et ben, aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je pense que... Donc là, il faut que j'aille tout droit ou que j'aille à gauche. À gauche, c'est parti, merci le chat. Ok. Ça devrait pas être super long de remonter un vélo, j'imagine. Si jamais tu peux leur passer le message, go que j'arrive. Histoire de... Parce que sinon je vais me rentrer. Hein. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir là. Comment ça se passe à la montagne? Mais quel mytho! Je suis sûr que tu mens, Nico. Il est en train de mentir 100% en nous envoyant des images de montagnes de ski et de parapente là. Merde. Merde, je croyais que tu blaguais.
Ah bah oui, 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 oui. Effectivement, le microcosme de Paris est assez hallucinant, quoi. Tu rencontres à Paris très très facilement. Bah, tu me dis, Guiche, je vais essayer de m'arranger. Comme le dernier coup, on avait fait une petite balade improvisée. C'était sympa. Ah, il y avait des feux rouges. Piste cyclable, waouh, incroyable. Ben justement, vous dites ça, il y a une nouvelle piste là. Alors que cette montée, c'était un enfer à chaque fois. Là, ils ont fait quelque chose. Waouh, trop bien. Ah là, c'est trop bien. C'est un petit détail là dans la pente et ça fait plaisir de voir ce type de choses. Bon, malheureusement, voilà, ça s'arrête au niveau de la voie bus, mais bon, il y a vraiment du progrès là. Il y a vraiment du progrès ici, c'est cool. Ouais, ouais, justement, de protéger là dans la pente, c'est bien. Hein. Comme quoi, c'est possible de passer ce boulevard à une voie de circulation, c'est fou ça. Et après, on rejoint l'ancien aménagement cyclable qui était sur le trottoir. Ici, il y avait vraiment un petit point noir et ça y est, ils l'ont corrigé. Plus de point noir, ça fait plaisir. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait, moi, Terry. Hein. Là, aucune idée. Hein. Bon, là, je vais faire attention au bus. J'ai l'impression qu'il tourne. Du coup, il me laisse passer. Ok. Salut, la cravache. Comment ça va? Bah là, j'ai pas de sujet, je voulais rejoindre Thierry Baristen. J'ai justement fini le script pour La Rochelle. Je commence le montage demain. Ah, bon bah du coup je vais me rentrer alors. Du coup je me rentre en fait. Tant pis.
Ça sera pour une prochaine. Ah bah justement on parlait on parlait de lui. Hey guys, I was trying to join you but I don't know where you are. Thanks for the follow by the way. Comme je disais, je pense que c'est de la panique. Hein. Elle a pris un virage trop large. Il est possible qu'elle ait le soleil dans la gueule quand, au moment où elle tournait. Elle a tourné trop large, elle a percuté un véhicule qui était stationné. Et après elle a rebondi. Ah elle a la piste. Et après elle a rebondi. Comment ça t'avais connaissance des détails? Après ça c'est de la spéculation, c'est, je pense moi que ça s'est passé comme ça, mais on n'a pas la version officielle. Je pense qu'elle est arrivée. T'avais pas, oui d'accord. Donc je pense qu'elle est arrivée, elle a tourné, elle a tapé dans le véhicule là, elle a continué à frotter les véhicules en continuant d'avancer. Il y a les enfants qui étaient en face d'elle là, donc elle a fait un mouvement d'évitement vers la droite. Elle a été percuter les véhicules à sa droite et elle s'est arrêtée quelques dizaines de mètres plus loin. Mais là, ça y est, je suis arrivé à Port d'Italie, là, non? Non, faut que je continue par là? Parce qu'à un moment... Ah oui, c'est ça que je me disais. Ah bah super, il y a personne qui me dit rien. D'accord. Ah bah d'accord, super, je continue, personne ne me dit rien quoi. Bravo hein. Ah, bravo. Je vais pas dire, il est toujours chez lui là. Vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Ah bah super, bon bah du coup je vais lâcher l'affaire. Hein. Parce que je vais pas aller en bas de chez lui en faisant des. Oh putain, en faisant des ding ding, je suis là. Pour essayer de m'entendre dans son stream. Dans la rue, oh Terry! Bon bah écoute, tant pis, ça sera pour une prochaine. Hein.
Bon bah je vais me rentrer sur le 19e alors. Hein. Parce que là je commence à avoir l'allergie de toute manière. On va faire ça, hein. Tant pis, hein. C'est pas grave. Allez, on rentre à la maison. Je suis en train de crever de l'allergie de merde. Allez. Voilà. Allez, il est temps de rentrer. Tant pis. Ça dépend en fait, c'est complètement aléatoire l'allergie. Vous savez, il y a des jours sans, comme aujourd'hui, il y a des jours avec où j'en morfle pas trop. Il y a le début du live qui s'est très bien passé. C'est complètement aléatoire. Hein. L'allergie. Si je savais que ça se passait mal à chaque fois. Non, Denis, je suis sur le retour là. Je viens de me taper un vent phénoménal. Non, faudrait que je me mette à avoir un traitement parce que effectivement. Bon, pour l'instant, je prends des médocs de temps à autre quand ça va mal. Sinon, en fait, ça va. La plupart du temps, ça va. Ouais. Si, je prends des antihistaminiques seulement quand j'ai des crises en fait. Et j'ai des crises qui sont pas systématiques, c'est ce que je disais. Ça dépend. Donc on va dire que j'en prends. Là j'en ai pris deux en début de semaine, un lundi, un mardi. Et puis, début de semaine pour moi c'est samedi, dimanche. Samedi, dimanche j'en ai pris. Lundi, mardi ça allait. Aujourd'hui, mercredi, je suis sorti et donc mi-journée, enfin là, il y a une heure, ça a commencé à être la merde. Bon, bah j'essaierai de le joindre demain en live, hein, on verra. Aujourd'hui, c'était un échec. C'était un échec. Chose qui arrive, hein. C'est le live. Là, ça doit être probablement la pire liaison cyclable de tous les temps. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il faut 10 minutes moi pour pouvoir parler, je crois. Exact.
Et oui, bientôt les 10K de follow là, ça rigole plus. Je sais pas combien de follow on est, mais je crois que c'est bientôt. Non mais tu sais, c'est vraiment une énorme blague hein, cette piste. Oh bah ça va, c'est jouable. Je pense effectivement qu'au prochain live, c'est bon si je fais le live là. Oh, le bruit des enfers. Parce que là, je vous ai pas dit, je vais faire un live avec, je crois que c'est TF1 encore. Ou bien W9, ou je sais pas. Oui, bah écoute, arrive moins vite peut-être. Je vous en prie. Le mec arrive tout berzin et avec sa trotte. Bah je le laisse passer, il arrive comme un bourrin. Hallucinant. Bah il a juste dit je vous en prie. C'est le truc hautain pour dire ouais, n'hésite pas à dire merci, hein. Je me suis arrêté pour toi. Hein. En fait, je t'en prie. Il est possible que je le suive, je m'adapte plutôt à son allure. Tant que je respecte les piétons, ça me va. C'est surtout ça le truc, c'est que moi j'ai une... le respect des piétons, il est là, tu vois. Le respect de ma propre sécurité, il est limite un petit peu en dessous. Le respect du code de la route, il est à peu près par là. Voilà. Même si je respecte beaucoup hein, le code de la route, parce que la plupart du temps, je roule chill. Voilà, c'est ça. Moi, limite, je mets les autres limite avant, tu vois. Donc, même s'ils ont le feu rouge, par contre, c'est vrai que moi, je vais être même plus chiant que d'autres, parce que même si le piéton il passe au vert, au rouge, n'importe quelle couleur, je vais pas lui foutre la pression. Je vais toujours l'éviter, je vais pas le klaxonner, je vais pas l'engueuler. Là, j'ai fait énormément de travail sur moi par rapport à ça. Je suis sur l'autoroute. Ah, c'était à droite là. Ah, il va me faire tout le tour du boulevard là. Ok. Tu vois, par exemple, là, c'est débile ce qu'il fait le cycliste. Débile. Débile. D'ailleurs, je vais aller à la pharmacie en rentrant pour m'acheter des antihistaminiques là. Ah non, moi j'arrive à faire cette part des choses quand même. J'arrive à me dire que la plupart du temps, quand on me fait des crasses, je sais pardonner assez facilement. Ça dépend en fait si je considère que la crasse a été faite volontairement. Si j'ai vu la personne dans les yeux
et qu'elle m'a fait la crasse, là par contre effectivement ça va mal se passer. Par contre si la personne m'a pas vu, m'a pas anticipé, etc. Là c'est plus dur de pardonner quoi. Généralement, il n'y a même pas besoin de s'excuser. Hein. Ben là, je rentre chez moi, tout simplement. Voilà. Je rentre chez moi, XMTX, et puis on verra si je le chope demain. Parce que là, j'avoue que j'ai la méga flemme. S'il est en train de réparer son vélo, je ne vais pas poireauter 2 heures devant chez lui. Hein. Ou bien j'irai le rejoindre en off si jamais il passe pas loin du 19 aujourd'hui. Sinon, demain, je réessayerai le sniper en live. Ah, pas de soucis. Parce qu'au début, j'essayais de le. Ok. Ah, mais là. C'est vrai qu'il a pas parlé dans le chat, mais bon, il pouvait peut-être pas parler, c'était pour ça. Non, mais là, Maps, il m'a fait faire tous les maréchaux, donc c'est bien, moi je me fais tous les maréchaux, nickel. Avec toutes les incohérences du maréchaux, c'est-à-dire qu'on va changer encore de côté de la chaussée, hein. Il aime bien ça. Qui se transforme en simple piste cyclable, puis ensuite Bidir de nouveau. Il n'y a aucun arrondissement qui a réussi à se mettre d'accord sur la continuité. Chacun y allait de sa petite, de son petit truc. Je crois qu'il y a des améliorations Lila, faudra que je vois ça sur la liaison. D'ailleurs, je ne sais plus pourquoi j'ai bloqué le fait qu'il fallait être follow pour parler. Je ne sais pas si c'est une mauvaise idée. Bon, après, c'est bien, ça évite des haters qui arrivent pour lâcher leur caca. Je pense que je vais laisser comme ça. Le premier appel.
Oh la vache. Tu trolles déjà suffisamment sur YouTube, hein, XMTX. D'ailleurs, je trouve que tu y passes un temps considérable. Hein. Moi, je n'ai pas autant de patience que toi. Hein. Je lâche 2-3 coms et puis après, je m'en vais. Hein. Je réponds qu'à certaines personnes qui ont des coms intéressants ou des questions. Mais c'est vrai que je vais pas prendre le temps de répondre aux haters. Surtout que, bon. Ah d'ailleurs, j'ai vu un sujet qui était hyper intéressant sur YouTube de personnes qui ont testé l'intelligence artificielle pour faire changer des conspirationnistes d'avis. Merci beaucoup Deslop pour le sub. Merci beaucoup de soutenir. Je disais, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, l'IA a été utilisée dans le cadre d'un test sur des personnes par rapport à leur complotisme pour voir si l'IA entraînée pouvait leur faire changer d'avis en leur posant des questions, en les aiguillant, mais pas en essayant de leur faire changer d'avis, juste en les comprenant et en les questionnant. C'est assez intéressant comme approche. Finalement, pour faire changer un avis, pour faire changer d'avis un conspirationniste, le meilleur moyen, ça serait de le questionner sur ses croyances. C'est hyper intéressant, c'est peut-être ça, XMTX. Waouh, le poteau, il bouge pas mal là. Habitué, pas de problème. Ah non, par contre, j'ai vu un jeu qui était tellement drôle. En fait, c'est tu es un humain contre 4 IA ou 5 IA et les IA doivent essayer de savoir qui est l'humain en posant des questions. Et ça m'a fait mourir de rire. C'est vraiment un jeu qui est incroyable, quoi. C'est l'inverse en fait du test qui est de savoir si c'est une machine. Je sais plus comment il s'appelle ce test là qui permet de savoir si une machine est un être humain. Et là c'est l'inverse. Je sais pas si j'ai été suffisamment clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, attends, c'est bon, il y a un moment, il faut arrêter. Test de Turing, voilà, c'est le test de Turing inversé. Test de Turing, c'est ça. Maintenant, il y a des jeux où tu joues contre des IA qui cherchent à savoir qui est l'humain. Un peu terrifiant. Et le pire, c'est que l'extrait du jeu que j'ai vu, les IA sont pas mauvaises. Hein. Elles ont réussi à trouver... 3 sur 4 ont réussi à trouver l'humain. Avec des raisonnements assez drôles d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est ça qui est un peu flippant. Et en plus, dans le jeu, ce qui était assez drôle, c'est que les IA étaient entreprenantes. C'est pas le joueur qui lead la partie, c'était vraiment les IA qui faisaient tout. C'est assez flippant. Il y a un moment, il y a une IA qui va faire. Mais je comprends pas, je suis un être humain. Nous sommes les êtres humains.
nous avons une âme. Non, mais là, c'est clair, je crois qu'on est à l'aube d'un avènement avec l'IA. On n'est pas encore prêt à ce qui va nous arriver dans la tronche. On est sur les balbutiements de quelque chose qui va vraiment changer notre manière de vivre, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est que je suis sûr. Les pistes, le jour où ils feront des pistes de couleurs, je leur en voudrais moins. Enfin, je leur en voudrais plus, plutôt, aux piétons de marcher sur les aménagements cyclables. Mais tant que les aménagements cyclables se fondront dans la masse, seront d'une couleur identique et passeront sur le trottoir, il y aura des problèmes. Là, la plupart du temps, en plus, les pistes sont sur le trottoir. La piste se démarquait pas, elle était sur le trottoir, donc bon. Tu sais pas si c'est toi qui es sur le trottoir ou si c'est le piéton qui est sur la piste. Oh, le M12, je peux aller à droite ou en haut. Bah, je vais choisir tout droit, tiens. Ah oui, là c'est assez marrant, regardez. C'est rouge ici, le feu cycle. Mais si je fais ça, que je vais à droite, hop, que je vais à droite. Et là, hop, je peux aller à gauche. Bon, je fais un petit détour, un peu what the fuck, mais ça marche. Oh, c'est marrant, c'est quoi ça? Ok. Ah, ça va être pour les poubelles. Ah, c'est pour mettre les poubelles. Ok. Lui s'est trompé. Hein. Je sais même pas comment il a réussi à rentrer là-dedans. Tiens, je vais aller là, ce sera plus pratique. Voilà, faire le tour par là, plutôt que faire le tour dans l'autre sens.
J'ai envie de crever. Bon alors, combien je peux atteindre dans la pente avec ce vélo? Suspense. Donc là c'est assez agréable hein, dans les pentes etc, ça roule plutôt bien. De la porte qui s'ouvre, terrifiant. T'as une chef, enfin t'as une chaîne YouTube, Jeff? Je viens de tilter sur le nom.
c'est quoi qui sent bon comme ça ici là? Qui glane. Stalingrad là s'améliorer. Ça commence à être pas mal là. Au niveau de l'intersection. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'inventer un petit style à la française avec ces îlots là. Un style à la française. Digne de David Goudenhoff. Ah d'ailleurs à droite, tiens, je vais vous montrer le nouvel aménagement qui est à droite. Un peu à la hollandaise. Voyez, regardez, hop, comme ça là, un bel aménagement cyclable avec le petit rebord chanfreiné là qui permet de sortir et d'accéder à la piste cyclable facilement. Aussi bien pour les personnes à mobilité réduite que pour les cyclistes. Bon, même s'il n'y a pas de stationnement encore, mais peut-être que ça viendra. Donc là, c'est vraiment agréable ce type de choses. Avec une couleur dédiée. Qui protège au niveau de la pente. Là, je suis sur un petit vélo pliant assistance électrique. J'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'en parlais un petit peu. Salut Pissol, comment ça? Le seul problème, voilà, c'est comme vous avez vu au niveau des intersections, l'enrobé s'arrête. Dommage. Mais sinon, c'est pas mal. C'est vraiment le type d'aménagement quasi parfait, quoi. Il y a encore des petits détails, mais bon. On se rapproche d'un truc pas mal. Là, je vais aller à gauche, même s'il n'y a pas de,
Là, c'est dommage, ils ont pas mis de M12 tourne à gauche. Alors je pourrais le mettre. Ça serait pas mal. Ah ben, je vais en profiter pour vous montrer un autre aménagement aussi qui est pas mal, qui a pas mal évolué. J'en parlais d'ailleurs. Oh, une nouvelle piste là, incroyable. Franchement, Paris, quand tu te balades, il y a des pistes qui apparaissent partout. Là, c'est nouveau ça encore. Je pense que c'est une piste qui va apparaître en face. Hein. Ils vont mettre la rue en double sens, vu qu'elle était en sens unique. Et regardez-moi ça à droite là, si c'est pas beau. Tout ça là à droite, c'était un parking avant. Là vous voyez les arbres plantés, les deux rangées d'arbres. C'était un parking ça. Et donc là ils ont réussi à retirer la contre-allée. Non ? Et à planter ces arbres, poser un peu d'herbe et donner un petit espace comme ça aux gens. Il y a juste cet espace là où on voit où ils n'ont encore rien fait parce que finalement c'est juste pour permettre l'accès à deux parkings. Enfin, deux parkings. Un parking 2 quoi. C'est assez, assez impressionnant hein, les transports. Si vous allez voir sur map, vous verrez qu'il y a encore les stationnements ici. Et là pareil, juste en face, une rue avec un trottoir traversant et des arbres qui ont été plantés. En supprimant, donnant un autre charme à cette rue. C'est le mec de tout à l'heure ça. Ok. J'ai fait plein de détours, je me suis arrêté partout, mais alors voilà. Ah tiens, le pont Levant est levé. On va finir le live là-dessus. Sur le pont Levant descendant. Je vais aller prendre une petite prise de vue de là-haut. Okay.
Pas, je prépare le raid. Pour rien d'autre. Évidemment. Ouais, il a failli se rabaisser sur le petit bateau. Ah, attendez, hop, mon profil. Ok. Alors. Oh, super. Oh bah tiens, il y a Jean Massier en live. Bah on va sur le Jean Massier, évidemment. Sans hésitation. Il va faire une petite formation au niveau de la politique. Et expliquer un petit peu mieux ce qui se passe en ce moment. Hop, voilà. Oh, parfait, je vais vous laisser avec cette image pour la fin. Ben, merci à toi, Roscoe, d'être passé sur le live. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. Et puis peut-être à demain, je vais essayer encore de faire un stream time sur Terry. Salut Hugo, merci de passer. On se retrouve sur le live de Terry peut-être. Je verrai si j'ai fou de le snipe. S'il passe dans le 19e, je le snipe à coup sûr. C'est bon, vous voyez bien là ce qui se passe en bas avant que le live coupe. Toujours un passage impressionnant. J'espère que le live va pas couper pile poil. Hop, attendez, hop, j'ai de retour. Je vous mets bien comme il faut au niveau de la vue. Voilà, voilà, attendez, hop. Voilà, c'est parfait, je ne bouge plus là. Le timing était parfait. Hop, je coupe le live. Ciao, ciao.